Prince Ali, oui, c'est bien lui, oui, Ali Baba. Prince Ali, oui, c'est bien lui, plus fort que vous. Non, je déconne, les amis, nous allons commencer la vidéo. Ouais, je sais encore une intro de merde, mais c'est pas grave. Voilà, donc les amis, aujourd'hui, on commence la vidéo. Enfin voilà, ce sera une petite vidéo, une petite critique de jeu. Mais avant ça, voilà, vous parlez un petit peu vite fait dans la rue. Ben putain, ça devient grave dans ma rue. Hein. Maintenant, il y a les gens, ils pissent sur les voitures, quoi. Là, je disais ça, mais en fait, c'est parce qu'hier, en fait, il y a eu une sorte de bagarre. En fait, on a en fait un mec qui vit près de chez nous. C'est un mec qui est trop bizarre, quoi. Tous les soirs, il pète des câbles. Tous les soirs, la police doit l'embarquer. Et hier, en fait, bah, moi, je jouais en fait au jeu. En fait, ça fait plusieurs jours sur ce jeu-là. J'ai enfin fini hier. Et hier, j'entendais du bruit, quelqu'un qui tapait sur une voiture. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en vais voir dehors. Hein. C'était un gars qui tapait sur les bagnoles. Et après, à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait. Il a baissé son pantalon, il a pissé sur la bagnole, quoi. Il a pissé sur une voiture. Et voilà, c'est encore un gars trop bizarre. Enfin, tous les soirs, la police ont embarqué. C'est vraiment la petite anecdote du jour. Hein. Quand une fois tourné un petit peu, hein, ça commence un petit peu à en partir en cacahuète. Hein. Et dans ma rue, on a toujours des gars un peu bizarres, hein, comme ça. Et voilà, il y a un gars comme ça dans la rue qui a pissé sur une bagnole. Heureusement qu'il a pas pissé sur la voiture de ma mère. Parce que là, je pense que ma mère, elle l'aurait défoncé, je pense. Elle aurait porté plainte, ça c'est sûr. Voilà les amis, donc aujourd'hui, petite critique de jeu, ça fait un moment que j'en avais pas fait, parce que bah voilà. Les jeux que je fais sont assez longs, donc des fois bah, je les arrête en chemin ou alors je les continue plus tard. Donc c'est vrai qu'au début j'étais sur. Au début j'étais sur celui-là. Bon, je vais le continuer plus tard. Hein. Au début, hein, j'étais sur le Ghost of Tsushima, que je vais continuer, je pense, par la suite. Hein, je le ferai, c'est le prochain jeu que je ferai, je pense. Bon, je joue hein, de tous les jeux, hein, je teste quelques jeux. Hein, j'ai encore le petit Destroy All Humans à installer. Enfin, j'ai aussi ça à tester, voir un peu ce que ça donne. Encore du Astroneur aussi à tester et le Gang Beasts. D'ailleurs, c'est vrai qu'ici le Fall Guy m'intéresse bien. Faudra que je me rachète du PS Plus pour le prendre. Parce que c'est vrai que ça peut être sympa à faire en live. À la rigueur, peut-être jouer avec mon cousin, ça peut être sympa. Bon, c'est du Battle Royale, mais ça va. C'est du Battle Royale un peu différent, on va dire. Hein, donc ça peut le faire. Voilà, donc le prochain jeu que je ferai. Enfin, j'ai déjà commencé, hein, mais c'est Ghost of Tsushima. Voilà, donc aujourd'hui, bah, on va parler d'un jeu. Bah, qui est assez marrant parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît ce jeu en fait. C'est ça qui me rend dingue. Hein. C'est un super jeu. Après, bon, le jeu, il y a quand même ses défauts. Hein. Faut pas se le cacher. Il n'est pas non plus parfait. Il y a quand même quelques défauts. Mais c'est un jeu en fait que je suis assez étonné. Hein. Quand je l'avais fait en live il n'y a pas longtemps, il y a pas mal d'entre vous ne connaissaient pas ce jeu. Donc, je vous inviterai bah, à aller voir le live que j'ai fait sur le jeu. Hein. J'avais fait un live d'une heure, je pense, dessus pour vous donner un petit peu un avis sur le jeu. Et là, je vais vous expliquer en détail un petit peu le jeu. Bah, le jeu, hein, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est comme style de jeu, qu'est-ce que c'est comme. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on va parler de The Outer World. Voilà, donc je le prononce peut-être mal, j'en sais rien, mais voilà, The Outer World, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voilà, en gros, c'est un jeu, un RPG, à la façon, à la sauce Fallout, hein, à la sauce de plusieurs jeux, en fait. C'est un jeu, on va dire, qui mélange du Mass Effect, qui mélange du Fallout New Vegas, enfin, Fallout en général, quoi. Du 3 New Vegas, même Fallout 4 à la rigueur, qui mélange un petit peu bah, pas mal de choses, franchement, pas mal de choses. Ça m'a aussi pensé un petit peu à du Deus Ex aussi sur certains points. Un petit peu de Deus Ex sur certains points, parce qu'il y a des bâtiments qui faisaient penser à du Deus Ex, hein, surtout Deus Ex, je sais plus lequel, là, je sais plus comment ça s'appelle, Invisible War sur la Xbox, ça me faisait penser à ça. Et en fait, ça mélange plein de trucs. En fait, voilà, donc c'est un jeu, en gros, pour raconter un peu le pitch de l'histoire, en gros, c'est un jeu. Vous êtes réveillé, en fait, vous étiez dans une colonie qui s'appelle l'Espoir, en fait, dans un sorte de vaisseau qui s'appelle l'Espoir. Et en gros, vous avez été, en fait, sauvé, on va dire, par un savant fou qui s'appelle Phineas, hein, tout simplement, et qui vous a libéré, en fait, de cet endroit. Et en gros, bah, il va se servir de vous. En fait, pour bah, essayer de répandre le bien dans la communauté de Halcyon. Voilà, Halcyon, en fait, c'est une sorte de système, en fait, où, en fait, il y a plusieurs planètes, et, en gros, Halcyon, en fait, c'est un système, en fait, où enfin, le système est dirigé par le conseil, en fait, c'est, on va dire, un peu les méchants du jeu. Et, en fait, dans ce jeu-là, bah, c'est un jeu à choix, en fait, vous pouvez, en fait,
comme dans ces genres de jeux, vous avez un système de choix. Vous pouvez passer soit du côté obscur ou alors du côté lumineux. Je dis ça comme ça. Soit vous pouvez passer. Donc, si vous avez envie de faire le gros bâtard dans ce jeu, vous tuez tout le monde. Voilà, ben, le problème. Hein. Je ne vous incite pas à tuer tout le monde non plus. Parce que voilà, si vous tuez tout le monde, vous n'aurez pas de quête. Vous aurez beaucoup moins de quêtes que prévu. Hein, parce que moi, je suis sûr que j'ai pas fait toutes les quêtes parce que j'ai tué des personnages. Hein, mais il y en a certains que j'ai gardés histoire d'avoir un petit peu de quête, hein, de quête à faire. Parce que le jeu, quand même, est riche en contenu quand même. Hein, y a pas mal de choses à faire. Par contre, il y a quelques petits points un peu dommages dans le jeu. Je vous en reviendrai par la suite. Mais voilà. Voilà, donc le jeu, en fait, vous avez plusieurs quêtes. Vous avez des quêtes annexes, que vous débloquez, chers certains personnages qui vous donnent, qui vous disent, ah tiens, par exemple, là, bah, il y a quelqu'un qui a disparu, il faut le retrouver. Il faut aussi, bon, il y a aussi quelques quêtes où vous devez chercher des trucs pour des bazars, hein, des sortes de quêtes FedEx à la con, quoi. Vous avez également des quêtes genre de faction. Et les quêtes de faction, bah, ça c'est marrant, mais ça m'a servi, enfin, à la fin du jeu, en fait, il se passe un truc, et je me suis dit, putain, j'ai bien fait d'avoir fait ces quêtes, les quêtes proposées, parce que ça m'a permis de débloquer des choses assez sympas pour la fin de l'aventure. Mais voilà, il y a beaucoup de quêtes, des quêtes de factions, des quêtes de compagnons. Parce que dans le jeu, vous avez des compagnons, vous avez un équipage en fait. C'est ça que je voulais revenir. Vous avez un vaisseau à gérer. Un petit peu à la sauce Mass Effect. Bon, moins poussé que du Mass Effect. Hein, parce que Mass Effect, ce qui était bien, c'est que les personnages, ils avaient beaucoup de choses à dire. Hein, vous parlez pendant des heures. Hein, moi, je me souviens des fois dans Mass Effect 2, combien de temps. Mass Effect 3, même combien de temps je durais dans le vaisseau à parler avec tous les PNJ. Et là, par contre, c'est le point négatif que je pourrais lui donner, c'est qu'en fait, dans le vaisseau, vous avez un petit vaisseau qui s'appelle l'imposteur. Voilà, c'est votre vaisseau à vous, qui va vous permettre, on va dire, de voyager de planète en planète, parce qu'il y a quand même pas mal, quand même quelques planètes à visiter. Mais le souci, c'est qu'en fait, sur la carte, hein, t'es un peu mensongère quand vous arrivez sur la carte. En gros, bah, vous avez plusieurs planètes. Il y a facilement 5. 4 planètes facilement, au moins 4-5 planètes, et vous vous dites, bah ça va, quand vous voyez le bazar, vous vous dites, bah, ça va, le jeu il va quand même durer longtemps, et au final, bah, les 4 planètes là, vous pouvez pas les visiter. Je trouve ça un peu dommage quand même de te les foutre dans le jeu et de pas pouvoir les visiter, peut-être dans un futur DLC, mais bon, je trouve ça un peu bâtard quand même de se dire, les planètes ils sont là, on va te les foutre dans un DLC quoi. Non, il y aura des DLC de prévu, donc voilà. Par contre, je sais pas comment ça va aller pour le système de DLC, j'espère qu'ils vont me faire la possibilité, bah, de jouer, je sais pas, avec un personnage défini, parce que j'ai envie de recontinuer le jeu ici, histoire de continuer un petit peu. Mais le souci, c'est que bah, mes sauvegardes, j'ai plus de sauvegardes, on va dire, potable. On va dire où je suis bien avancé. Si je dois faire les DLC, ça tombe, bah, je vais devoir refaire une partie, ça tombe. Ou même rejouer une ancienne partie et essayer d'avancer. Ce serait un petit peu chiant. Par contre, j'ai pas pensé à ça. Parce que c'est un système de sauvegarde, en fait. Hein. Quand vous finissez le jeu, bah, essayez un petit peu d'avoir une sauvegarde un petit peu plus avancée. Malheureusement, les miennes, bah, elles sont pas si avancées que ça. Donc, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, donc je disais, il y a des planètes en fait que vous ne pouvez pas visiter malheureusement, c'est dommage parce qu'il y avait des planètes qui m'intéressaient bien à les visiter. Par contre, voilà, au total, si je devrais compter combien il y a de choses, donc on a le précurseur, donc le précurseur c'est une planète, enfin c'est un vaisseau qui vous permet en fait voilà, des magasins, vous avez des magasins, vous avez des quêtes, enfin vous avez plein de choses, hein, vous avez plein de choses à faire. Vous avez la planète Terra 2, où là vous avez en fait dans cette planète, vous avez plusieurs endroits différents, ça dépend un petit peu. Si vous débloquez les quêtes annexes qu'il faut, parce que il y a des quêtes annexes qui vous fait avancer. Excusez-moi, j'ai le boulant. Qui vous fait avancer dans des nouveaux endroits, en fait, des nouveaux endroits. Donc la planète que vous visitez au début, hein, c'est Edgewater, enfin c'est l'aire de plateforme Edgewater, hein, c'est voilà. Et donc pour un petit peu parler en fait du style de jeu. Voilà, du lore un petit peu de l'univers. En fait, The Outer World, voilà, c'est des planètes. Et en gros, ben, si vous voulez, le système est gouverné, on va dire, par le conseil, en fait. Et c'est assez short. Hein. Déjà, dans Wedgewater, moi, ce que je vous invite à aller faire dans ce jeu, si vous y jouez, c'est-à-dire tous les ordinateurs, tous les trucs que vous voyez pour un petit peu vous renseigner sur le jeu. Parce que moi, en lisant, j'ai vu des trucs, un truc de fou, quoi. Par exemple, dans le jeu, dans le premier niveau, c'est pas vraiment un spoil, hein, mais il y en a un, en fait, qui se suicide. Et en gros, ça c'est dingue parce que le gars se suicide et vu qu'il ne peut plus rapporter de l'argent, vu qu'il ne peut plus rapporter de l'argent en fait à la société, vu que l'argent va bah, perdre de l'argent, bah, ce qu'en fait ce qu'il doit faire, bah, c'est que les employés doivent payer en fait une taxe en fait pour le gars qui s'est suicidé en gros. Et en gros, le gars qui s'est suicidé, le gars est un délinquant, il est devenu un délinquant aux yeux de tout le monde en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que le gars en fait il s'est suicidé, il avait marre de vivre et au final personne ne le pleure, tout le monde l'insulte parce que
les gens doivent payer en fait une sorte de taxe, on va dire, pour le gars qui s'est suicidé, et il est considéré comme un vandale. En fait, il a même plus de chances, voilà, il est encore même plus haï qu'un mec, par exemple, qui a tué quelqu'un, par exemple. C'est ça qui est pour venir un petit peu. C'est assez dur à certains moments, parce que il y a des trucs vraiment chauds. Il y a du cannibalisme aussi, ça, putain, qu'est-ce que je kiffe. Hein, j'aime pas le cannibale, hein, mais j'aime bien un petit peu ce passage. Ça me fait penser à du Fallout 3. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà joué à Fallout 3, mais dans Fallout 3, à un moment donné, vous rentrez dans une maison, et je sais pas, vous rentrez, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, parce que là j'ai eu la même sensation dans ce Outer Worlds. Il y a une scène aussi du cannibale, enfin un truc, vous rentrez, vous dites oulô, il y a un truc pas net ici qui se passe, le gars il a une tête bizarre, et en plus il m'accueille, alors que là, non, c'est censé être vide ici, donc je trouvais ça bizarre, et on rentre, et en fait on se rend compte que c'est des cannibales, et en fait que c'est nous le dîner, en fait, et dans Fallout 3 c'est pareil, Fallout 3 il y avait une scène, ça m'avait vraiment pas mal marqué, quoi, je m'en souviens, j'ouvre la porte, hein, je croche une serrure à l'intérieur, hein, plein de cadavres partout, c'était chaud, quoi. Mais il y a pas mal de choses comme ça de en Outer World, en fait, où vous avancez, et des fois, par exemple, vous entrez, par exemple, une fois dans un bâtiment, vous dites, ah, c'est classe ici, c'est sympa, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est trop beau pour être vrai. Et au final, après, vous vous rendez compte que vous avez raison, en fait, d'avoir eu tort, parce que c'est trop beau pour être vrai. Vous allez voir. Bon, honnêtement, je vous invite vraiment à faire le jeu, parce que le jeu vaut quand même la chandelle de le faire, hein. C'est un très bon jeu. Après, voilà, je ne donnerai pas non plus des notes pharaoniques non plus, parce que l'histoire du jeu est pas non plus très passionnante, hein, on va pas se le cacher. C'est des quêtes, hein, mais il n'y a rien vraiment qui fait vibrer en tout cas l'histoire. Pour moi, ce qui fait vraiment tout dans ce jeu-là, c'est l'univers, hein. C'est bah, les planètes à visiter. Enfin, vous en avez facilement pour une trentaine d'heures de jeu. Enfin, moi, j'ai tout fait pratiquement. Peut-être, mais je pourrais même peut-être même faire plus. Bon, ce jeu-là, c'est que c'est bien, c'est qu'on est libre de nos choix. Si t'as envie de buter quelqu'un qui t'emmerde, tu le butes. Si t'as même envie de buter, je sais pas, le personnage principal, enfin un des personnages principaux, bah, tu le butes aussi si t'as envie. Mais bon, ça, le problème, c'est que si tu le fais, bah, faut faire une sauvegarde avant, parce qu'après, si t'as envie de recommencer, t'auras pas trop envie de recommencer le jeu, je pense, hein. Donc, fais une sauvegarde avant si t'as envie de te défouler. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai envie de me défouler, j'ai buté tout le monde. C'est dans le jeu, en fait, vous avez également un système RPG, hein, vous avez des armes, pas mal d'armes à trouver, avec des taux de dégâts, avec des capacités, des épées, vous avez également pas mal de choses à récupérer. Moi, dans ce genre de jeu, ce que j'adore, c'est tout prendre, en fait, je prends tout. Bon, c'est pas comme du Fallout aussi poussé que vous pouvez prendre les fourchettes et les assiettes, là non, vous pouvez en fait se limiter à certaines choses, des armes, de la santé, des modifications, parce que vous avez également des modifications d'armes. Vous pouvez aussi, bah, vous pouvez tout prendre en fait, mais bon, vous avez aussi le système, hein, si vous prenez quelqu'un à côté de quelqu'un, vous volez, donc vous essayez de pas vous faire prendre, c'est un petit peu comme ça dans la plupart des jeux. Mais voilà, hein, c'est assez poussé, et bah, c'est très sympa à jouer. Graphiquement, le jeu est assez joli, hein, franchement, c'est pas moche, hein, ça passe. C'est vrai qu'il y a quelques pas, moi j'ai eu quelques ralentissements, surtout vers la fin, sinon au total, j'avais pas eu trop de ralentissements. J'ai eu aussi un bug hier, je sais pas si c'est le fait que ma console chauffe trop, mais j'ai eu un bug, ma console, enfin, elle s'est pas éteinte, mais le jeu a planté, donc j'ai dû le relancer. On en faisait un peu chier. Et donc, vous disiez aussi, voilà, dans le vaisseau, vous avez en fait un équipage à gérer. Et en fait, bah voilà, il y a des équipages, des fois, bah, selon vos choix, voilà, qui sont pas toujours d'accord avec ce que vous faites. Moi, il y en a un personnage qui me gavait dans le jeu, c'est Félix. Hein, vous allez voir, hein, dans le jeu, il fait chier celui-là. Il y a toujours quelque chose à dire, ça c'est casse-couille. En plus, ce qui est bien dans le jeu, c'est les personnages vous emmerdent, vous pouvez les virer si vous voulez. Vous pouvez les virer. Et il y a des personnages assez attachants, hein, comme le premier personnage du jeu qu'on accepte d'avoir nous, c'est Parvati. Elle est super attachante, cette personnage, elle est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Au total, un total de 5 compagnons, je pense que c'est 5 ou 6 compagnons, je ne sais plus exactement. Et chacun, sauf un, ont leur petite quête annexe, on va dire, pour essayer d'avoir leur loyauté. Et dans le vaisseau, en fait, plus vous avancez, bon, il y a un peu de vide de temps en temps, les personnages parlent, mais pour moi, c'est quand même un défaut du jeu, c'est que le souci, c'est que les personnages, ils n'ont pas grand-chose à dire, en fait. Ils ont pas grand-chose à dire de leur vie. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après chaque mission, on s'arrête et on parle avec les personnages, ça c'est bien. Par contre aussi, autre point négatif du jeu, c'est qu'il n'y a pas de VF. Malheureusement, c'est du sous-titré français, heureusement, mais il n'y a pas de VF, donc pour moi, ça aurait été très bien de mettre une VF, ça aurait été très agréable, parce que lire, moi, le problème, c'est quand je lis, des fois, j'ai du mal à comprendre ce que je lis, donc je comprends pas tout à fait tout, donc c'est un petit peu chiant.
Mais ils auraient dû mettre un UVF, ça aurait été vraiment parfait ça. Autre point aussi très bon, c'est la musique. La musique est juste super, franchement j'aime beaucoup la musique. Il y a quelques points un petit peu où la musique me faisait penser un petit peu à du KOTOR, du Star Wars Knights of the Old Republic, que je vais vous montrer maintenant, hein, parce que je vous montrerai vite fait ce jeu. D'ailleurs, un jour il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur ce jeu, en tout cas une. Comment expliquer Merde, j'ai plus mon jeu. Ah bah c'est la meilleure ça. Mon jeu il est où? Il est parti où mon jeu? Il est plus là. Ah il est là. Attends, je pense que je l'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Attends, je vais vous le chercher. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas ce jeu, mais à ce jeu pareil. Il faut que vous le fassiez si jamais vous ne l'avez jamais fait. Ce jeu est fait pour vous. Hein. Si vous accrochez à. Bah, si vous accrochez. À The Outer World, ce jeu-là, bah, il faut le faire aussi, quoi. Si jamais vous l'avez jamais fait, hein, le KOTOR, hein, qui fait partie de mon jeu Xbox préféré, je pense, c'est mon jeu Xbox préféré, je pense, en celui-là. En tout cas, pour le jeu Xbox, la première génération. Un petit peu du même style, hein, du côté obscur. Par contre, voilà, le The Outer World, c'est du FPS. Hein. Là, c'est du TPS, hein, c'est du troisième personne. Mais voilà, ça, c'est aussi un super jeu. Hein, si jamais bah, vous l'avez jamais fait, bah, faites-le, hein, parce que là, vous ratez vraiment quelque chose. Hein. Pour moi, ce jeu, c'est un monument. Je l'ai fait plusieurs fois ce jeu-là. Enfin, j'ai jamais fini, hein, mais je l'ai fait plusieurs fois. J'arrivais toujours à la fin. J'arrivais jamais à battre le boss. Pendant une fois que je retente, essayer de l'avoir, hein, essayer un petit peu de me faire le boss, hein, ça peut être bien. Voilà. Donc voilà, bah, The Outer Worlds, en tout cas, très bonne surprise, un très bon jeu. Moi, c'est vrai que j'avais déjà un petit peu joué sur la Xbox One, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Hein. Et bah, vous avez un système de choix, en fait. Hein, voilà. Ça dépend un petit peu comment vous décidez de faire, soit de vous sauver des ennemis, soit de vous tuer. Vous avez des fois des quêtes, vous devez tuer quelqu'un. Vous pouvez choisir, en fait. Moi, à un moment donné, il y a une quête, on doit tuer quelqu'un. Et à un moment donné, si vous voulez, bah voilà, moi ce que j'ai fait le bâtard, je vais vous raconter quelques petites anecdotes comme ça, vous expliquer un petit peu. Parce que moi dans le jeu, il y a plusieurs mois, j'aime dans ce genre de jeu, moi des fois j'aime bien faire le gentil et des fois faire le gros bâtard. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu, si on peut faire ce qu'on veut. Et il y a une quête, à un moment donné, en fait, il y a un vieux qui me demande en fait des médicaments pour lui, parce qu'il a la peste, donc c'est pour le guérir, enfin un truc ainsi. Et je lui dis que j'allais lui chercher les médicaments. À un moment donné, je sors et une femme me balance une contre-offre. Elle me dit, écoutez, moi j'ai plus besoin des médicaments que lui. Donc si vous me donnez les médicaments, bah je vous donne beaucoup plus que ce que le gars a donné. Du coup, bah moi je réfléchis, voilà, je m'en cherche les médicaments. Et je me dis, puis merde, je vais les donner à la femme, je vais les donner à la femme au plus offrant. Donc, elle me file les médicaments. Je m'en vais voir le vieux pour lui dire qu'au final, les médicaments, bah, les médicaments. En plus, j'étais même pas obligé d'aller lui dire, hein, je pouvais le laisser attendre. Et moi, je préférais aller lui dire comme ça pour bien lui foutre le moral à zéro. J'étais allé lui dire, je lui dis, écoute, voilà, les médicaments, je les ai donnés à quelqu'un d'autre. Et le gars, il commence à me regarder d'un air, il commence à me faire, mais vous êtes sérieux là? Je comptais sur vous pour les médicaments. Vous voulez me regarder mourir, c'est ça? Mais moi je lui ai dit, oui, je veux regarder mourir. Et il dit, vous aimez bien ça, rendre les gens malades. Hein? Et moi je lui dis, ah oui, c'est plutôt sympa que je lui dis. J'adore ça. Et après le gars, il fait, j'espère qu'un pestiféré crachera dans votre verre. Et là, le gars, à un moment, il me dit, allez, prenez tout ce qu'il y a chez moi, j'espère que vous attraperez la peste. Bon, au final, ça va, j'ai pas eu la peste, hein, mais ouais, j'ai récupéré tout chez lui, après, je l'ai buté, j'ai fermé la porte et je l'ai buté. Par contre, ça sert un peu n'importe quoi. Tu fermes la porte, j'ai remarqué ça, tu fermes la porte, tu butes un mec et les gens, ils disent rien, ils disent rien du tout. Voilà, le gars est buté, mais c'est bon, quoi, c'est pas grave. Le gars est buté, et voilà. Par contre, des fois, aussi dans le jeu, hein, chose à savoir, c'est quand vous tuez des PNJ, de personnages, enfin, des co-compagnons, vous tuez des personnages importants, bah, les personnages, en fait, ils vous quittent, en fait, ils s'en vont. Eux, voilà, c'est pas comme dans d'autres jeux, si vous faites quelque chose de travers, bah, eux se barrent, en fait, et ils veulent pas rester avec vous. Moi, à un moment donné, j'ai tué les parents d'un de mes compagnons, et elle est partie comme ça, elle a même pas voulu rester, donc, voilà, après une méthode, hein. Bah, voilà, vraiment, un jeu assez sympa. Dans l'ensemble, avec quand même quelques petits défauts. Hein. Pour moi, les bonnes choses dans ce jeu, bah déjà, c'est l'univers hein, qui est super bien. Franchement, c'est rare des univers comme ça. Un petit peu, bon, c'est du Fallout, enfin, style Fallout, mais c'est moins lugubre que du Fallout, quoi. Il y a quand même des bonnes petites choses des fois. Enfin, c'est. Je vous dis, hein, par exemple, le précurseur, ça me faisait penser à la Citadelle. Il y a des planètes comme Monarque, hein, avec pas mal de monstres, ça me faisait penser à du Fallout. Il y a vraiment pas mal de choses comme ça, plein d'éléments.
Également, ça, vous avez aussi une intelligence artificielle dans le vaisseau. Ada, je sais pas pourquoi, mais Ada, ça me fait penser un petit peu à IDEA dans Mass Effect. Donc, je sais pas s'ils ont un petit peu essayé de faire pareil, mais c'est pas mal de références. Le système de compagnons. Enfin, voilà. Pour moi, les qualités de ce jeu, bah, déjà, ce serait déjà l'univers qui est très sympa, vraiment. L'univers très cool. La durée de vie qui est plutôt correcte, hein, franchement, 25-30 heures pour le finir, encore, hein, vous pouvez parce qu'il y a plusieurs fins, donc c'est ça qui est bien. Également, bah, graphiquement, c'est plutôt joli, c'est pas moche. Le système de variété d'armes, il y a pas mal d'armes différentes, hein. On a une arme, c'est un rayon rétrécissant, on peut rétrécir les gens. Également, un petit peu de pouvoir, et ça, j'en ai pas parlé, vous avez également quelques pouvoirs dans le jeu, genre une dilatation temporelle, vous pouvez un petit peu ralentir le temps. Les quêtes, certaines quêtes annexes sont assez sympas, il y a des quêtes annexes assez sympas, d'autres un peu moins, mais il y en a là, quelques-unes qui sont plutôt cool. Point négatif, bah, enfin, aussi point positif, la musique qui est très bien aussi. Hein, je m'excuse, hein, mais vu que je prépare pas mes vidéos, j'essaie un petit peu de réfléchir un petit peu ce qui est bien ou pas. Également, voilà, j'essaie de réfléchir en point positif ce qu'il y a de bon aussi. Le système aussi hein, de compagnons qui est assez cool aussi. Vous pouvez un petit peu discuter avec les personnages, ça c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus très poussé. Et en point négatif, il y en a quand même quelques-uns. Bah, déjà, quelques bugs. Hein. Pas des gros bugs, mais quelques bugs, des petits ralentissements. Les planètes, on peut pas tous les visiter, ça c'est dommage, hein, de toutes sur la carte, plein de planètes, au final tu te dis, ah, ça va, ça a l'air bien dense. Et au final, bah, pas tant que ça en fait. À un moment donné, j'arrive à la fin du jeu, je me dis, merde, je pense que je suis à la fin du jeu, alors que j'ai même pas vu. J'ai peut-être vu la moitié des planètes, l'autre moitié, on l'a pas vu, malheureusement, on savait pas les visiter, donc je trouvais ça très dommage. Après. Voilà, quelques quêtes pas non plus très passionnantes. Les compagnons qui n'ont pas grand-chose à dire, ça c'est un peu dommage. Par contre, des fois, quand tu promènes dans une région, les personnages, qu'est-ce que c'est des babioles, enfin c'est vraiment des babioles, quoi. Ils font que parler. Après, bon, ça raconte un petit peu de l'histoire, du background, comme on dit. Hein. Voilà, donc sinon, bah, un jeu quand même vraiment sympa, que je vous recommande. Hein, si vous aimez Fallout, parce que pour moi. Ce qui reprend vraiment le gros du jeu, c'est du Fallout, hein. C'est du Fallout tout craché. Ça m'a aussi fait penser un petit peu à du Borderlands aussi avec les caisses qu'on doit ouvrir. D'ailleurs, ça m'a donné envie de jouer à Borderlands. Faudra vraiment que je le continue ce jeu-là parce que je ne l'ai pas continué. Pourtant, c'est un excellent jeu, donc il faudra que je le continue. J'étais même encore au début, je pense, j'avais même pas continué. Et dire qu'il va bientôt avoir un an, jeu là, septembre, il y aura un an. Ben voilà, si vous avez aimé Fallout, en tout cas, ben, prenez ce jeu, vous allez pas être déçu, je pense que vous allez bien aimer. Parce que c'est un jeu qui est passé complètement inaperçu, hein, la plupart des gens, beaucoup de gens ne connaissaient pas ce jeu-là, ce qui m'étonnait quand même. Hein, parce que voilà, c'est un super jeu. Donc moi, je vais le garder parce que je vais pas le revendre celui-là, parce que je compte le refaire une fois, je vais sûrement me le refaire. Pour avoir des choix différents. Et j'ai envie aussi faire les DLC. Hein, parce qu'apparemment, au mois de septembre, il y a un DLC qui sort. Hein, donc, bah, je ferai sûrement le DLC, hein, je pense. Hein, voilà un peu ce que ça donne. Hein. Après, on verra les DLC, combien de temps ils dureront. Parce que si c'est pour durer 2-3 heures, c'est pas la peine. Hein. Faut voir aussi le prix. Hein. Faut voir aussi le prix que ce sera pratiqué. Mais bon, pour le moment. C'est marrant, sur le jeu, ils disent qu'il y a un Season Pass. Mais quand je vais sur le store, je trouve pas le Season Pass. Donc, je sais pas si c'est normal. On verra bien. Voilà, les amis. Donc, bah, moi. La note que je donnerais sur ce jeu, bah, je lui donnerais quand même un petit 17 sur 20, quand même mérité quand même. Hein. Ça reste quand même une bonne pioche, hein, un bon petit jeu, que bah voilà, si jamais bah, vous avez envie de trouver un bon petit jeu, un petit peu qui mélange plein de jeux différents, surtout dans le RPG, bah prenez ce jeu-là, vous n'allez pas être déçu, je pense. Hein. Après, c'est vrai qu'hein, que après il y a quelques quêtes qui commencent un petit peu à devenir un peu pas trop passionnantes, mais le début est assez sympa. Après le reste du jeu, moi je me suis quand même bien amusé dessus, hein. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Hein. Pour vous dire, hein, je l'ai commencé, je pense, il y a quelques jours, 3-4 jours, et j'ai fait toujours des grosses sessions dessus, donc ma PS4 elle a bien tourné, elle a bien chauffé, donc il faudra que je fasse un petit peu attention à ça. Et je pense bah, que le prochain jeu bah, que je continuerai, ce sera sûrement le Ghost of Tsushima, je pense. J'essaierai de le finir celui-là parce que bah, voilà, il faut quand même que je le finisse. Hein. Du coup, voilà. Donc, petit rappel, hein, ce soir, il y a un là. Il y a une petite conférence PlayStation, hein, ils vont présenter quelques petites choses, donc on verra un petit peu ce qu'ils vont présenter. Apparemment, ça va quand même durer 40 minutes, donc voilà, on verra. Voilà les amis, donc voilà, j'espère que cette vidéo sur The Outer Worlds vous aura plu. Voilà, pour ceux qui veulent l'acheter, hein, le jeu, bah écoute,
ça va le choper pour 30 euros, hein, à peu près 25 euros. 60 balles, ça peut faire encore un peu cher si vous le trouvez à ce prix-là, mais moins cher, ouais, il y a moyen, quoi. À 40, à 35 euros, à 30 euros, voilà, c'est le bon prix, on va dire. C'est un jeu quand même, mais qui va quand même vous prendre un peu de temps quand même pour le finir, parce que voilà, c'est assez sympa. Voilà, les amis, donc, bah voilà, la vidéo se termine ici, donc voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye à tous!